revenir, alors là, quand je fais ça, tout de suite, quand je reviens, je reviens avec moi-même. Et tout de suite, je passe que le cercle de la plus ici. Hein, voilà. Hein, voilà, hop, les deux, tout de suite. Parce qu'on travaille sur la droite. Hein. C'est-à-dire la position quand j'ai plus fait. Une fois, on ramène ici la main, là, hop, tout de suite, la position. Hein, avec le pied. Là, par ici, la gauche, la position sur le pied. Et là, je reviens parallèle, je continue. Et là, tout de suite, hop, et deux. C'est-à-dire premier, tout de suite, deuxième. Hein, sans attendre, voilà. Mais on continue toujours les mains. Voilà. Pousse. Voilà. Voilà, il faut transiter sur la gauche. Hop, transférer sur la gauche. Voilà, après, ici, allez, hop, on prend tout de suite. Hein, on n'a pas de quoi avoir quoi. 2. Demi-port. Voilà. Devant. 3. Sur le côté. Vous voyez quoi, c'est droit. 2 atterris. 5. 2 barrés. 2 brossés. Ah ouais. Il faut le répéter, répéter. Pour qu'on retrouve l'automatisme. Au départ, c'est pas une idée. Le pied, tout votre là. C'est pas ça de dire aux gens, les gars, le problème c'est avec le déplacement sur le côté, c'est brosse, pas. Ça frappe. C'est-à-dire, il faut essayer de. En ballon. De travailler peut-être au départ sans les mains, bien repérer avec les mains, ou bien travailler les mains sur place au départ. Caresser, hein. Caresser. Alors, si on veut travailler les mains avec les pieds, il vote sans on bouger les mains. Le comme ça, et là, ici, là. Il va se redresser comme ça, de côté. C'est là où on ressent le pied. Là, on continue, on ramène le pied, ouais. On continue le mouvement. Et là, on arrive au niveau des épaules, tout de suite, hop, on dépasse. Croise les jambes, croise les mains. Là, pareil, on continue, on ramène le pied parallèle. Arrivé au niveau de l'épaule, la main gauche, l'épaule droite, tout de suite, paf, de repousser le singe. Il n'y a pas de jambon. Ouais, ouais. Ben, c'est du boulot, hein. Ouais, oui. Chercher les guillots au fond de la mer. Mais après, si tu veux, ben, ça va venir. C'est comme toute chose, hein. Quand on va répéter. Ah ben c'est bon, c'est bon pour toi. Oh là, mais t'as bien travaillé. Bravo. Le caresser. Ah ben oui, c'est ça aussi. On le caresser. En diagonale en fait. On ah, mais droite. Ça, c'est sûr, mais ça, toi, bien droit. On arrête à gauche. On s'assoit. Bon, ah, il y a bien travaillé. La main droite. Non, ça va. C'est légal, c'est un peu compliqué. Mais pour les autres mouvements, comme ça. Tu repères vite pour les autres mouvements, tu repères vite. Bah, après ça le déplacement vers l'avant, vers l'arrière, pas trop compliqué. Mais c'est le côté, c'est un petit peu. Ça te reconnaît un petit peu. Voilà, après le cerveau est prêt. Au départ, tout le monde a des difficultés. Mais une fois le cerveau a imprégné le repère, moi ça va aller. Un simple fouet. Oui, il y a plein de petits détails. Ouais. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que ça se passe au départ? Suis la main. Là, on travaille avec le bruit, le bruit. Suis la main. Mis les deux sous-mains parallèles. Vous avez sur le côté. Parallèle, ici. Voilà. Hop, arrivez sur le côté. Là, on dépasse au pied. Et là, quand on va ramener, tu vois, quand je vais ramener ça, je vais basculer sur la gauche. Voilà. Hop. Et là, au moment, je ramène ici, et là, je continue le pied parallèle, je continue le mouvement. Tu vois, même en faisant le mouvement, le pied parallèle, je continue le mouvement. Voilà. Tu vois. Et là, avec les épaules, je grave le pied, et là, hop, je ramène le pied parallèle.